C'est un honneur pour moi et je suis ici à Bruxelles, en Belgique, avec Eric Pierre. Ce monsieur-là, il est très sympa et il va nous accorder une interview. Et il va parler de deux choses parce qu'on a deux reportages à faire. Le premier reportage est sur le MOUF Museum. Parce que Eric Pierre, monsieur Eric Pierre, est le propriétaire de ces musées fantastiques, ces musées superbes, et il va nous raconter un peu l'histoire de cette merveille qui existe ici à Bruxelles. Merci en tout cas de m'accorder ce temps. Et c'est vrai que c'est une joie de voir l'intérêt des Brésiliens pour la bande dessinée. Et au MOUF, vous faites d'ailleurs partie du top 10 de nos visiteurs. C'est que l'intérêt, il est communicatif. Et je pense que la bande dessinée belge a de beaux atouts pour séduire justement cette population brésilienne. Voilà, et pourriez-vous nous raconter l'histoire, la fondation du musée, parce que les musées, le MOUF Museum, il est collectionneur et il va nous raconter tout cela et il va nous dire comment tout cela a commencé, parce qu'il a fait tous ces musées, c'est une initiative privée, n'est-ce pas, monsieur ? À 100% privée, je vous le confirme. C'est d'ailleurs probablement l'une des plus grandes collections privées d'Europe. Nous présentons actuellement un peu plus de 1000 objets, 1016 exactement, mais ce n'est que 80% de ce que l'on a en stock. Et donc on change tous les 6 mois une partie du contenu des vitrines ou alors on crée des nouvelles zones. Et c'est vraiment une collection qui devrait ravir petits et grands parce qu'on aborde tellement de thèmes, les plus grands maîtres de la bande dessinée, mais également nous sommes fiers de pouvoir présenter 11 pays différents. Donc il y a des personnages qui sont connus. Mafalda, est-ce que ce n'est pas brésilien ? Non, Mafalda est argentine. Ah, ben voilà, déjà qu'en football, ce n'était pas très heureux, mais voilà, Mafalda est argentin. Oui, et je vous demande d'avoir ici, pour l'avenir, le personnage de Mauricio de Souza, parce qu'au Brésil, il y a un personnage très connu, et elle s'appelle Monica. Et je vous demande, pour l'avenir, d'avoir ces personnages-là. Oui, c'est une bonne idée. Et pourquoi pas, bien sûr, je serais content et ravi de voir à quoi elle ressemble et de rencontrer peut-être son auteur, d'ailleurs. Ce serait quelque chose de bien, oui. Et je parle de ces musées, de ces superbes musées, MOUF Museum. Toutes les pièces qui sont dans les musées, elles font partie de la collection privée d'Eric Pierre. Il va nous raconter comment il a commencé tout cela. Ah, parlez y compris de votre femme, parce qu'elle a une importance très grande dans ce processus, j'imagine, hein. Oui, ben écoutez, toutes les histoires de collectionneurs sont les mêmes. On commence par recevoir un objet, puis un deuxième, et puis ça prend de la place. Mais tout ça a commencé il y a plus de 40 ans, donc les choses s'accumulent au fil du temps. Et puis évidemment, un jour, on finit par vous dire « n'arrête plus, c'est fini, je ne supporte plus » ou alors « t'as qu'à ouvrir un musée avec tout ce que t'as ». Oui, j'ai ouvert un musée. Et c'est comme ça que l'idée est arrivée de créer cet espace. Il n'y a que 1300 mètres carrés. Et je vous promets que je pourrais faire 4000 ou 5000 mètres carrés si c'était possible. On ne rêve que d'une chose, c'est de trouver un endroit plus grand pour accueillir toutes ces pièces. Et par rapport aux événements, parce qu'il y a des événements qui arrivent dans votre musée, oui, c'est facile de transformer, oui, toute cette ambiance dans un lieu d'événement. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Effectivement, c'est un endroit assez magique parce qu'il est parfaitement modulable. On peut tout déplacer pour accueillir, comme vous dites, quelques événements spéciaux, des séminaires et des choses comme ça. Mais surtout parce que c'est la première fois qu'on peut proposer un musée qui est en quelque sorte une collection. L'endroit rêvé que vous auriez voulu avoir à la maison et vous pouvez accueillir des amis. Eh bien, moi, j'accueille des fois que 50 ou 100 personnes qui peuvent réserver tout le musée dans une ambiance particulière où il n'y a plus personne et on peut rester comme ça jusqu'à 4 heures du matin parmi tous ces personnages. Fantastique. Et pour finir, quels sont les héros qui sont représentés dans ces musées ? J'imagine qu'ils... Bon, parce que j'ai déjà visité les musées, et il y en a beaucoup, mais je vous demande s'il y a aussi, ouais, parce que vous avez déjà dit, vous avez parlé de Mafalda et l'Argentine, mais il y a des héros américains aussi ?
Oui, bien sûr, nous avons les comics américains, les grands classiques, mais nous avons également des personnages italiens, Corto Maltese, nous avons des Suisses avec Titeuf, nous avons Rosinski, nous avons donc plein de dessinateurs qui ont fait les belles heures de la bande dessinée, et nous avons vraiment un plaisir à ouvrir ce catalogue international, parce qu'on a remarqué que les gens qui venaient nous rendre visite, de tous ces pays différents, avaient plaisir à retrouver un petit personnage que eux connaissent. Donc on va finir cette interview-là et on revient avec la deuxième partie de cette interview. Il s'agit de Smurf Store qui appartient à Eric Pierre. Oui ? Oui, également. Disons que quand on a créé le musée, il allait de soi qu'il fallait en quelque sorte une enseigne. Mais la plus grande enseigne possible qu'on a pu imaginer, c'est de créer la statue qui est là devant, qui est unique. Elle fait 5 mètres de haut et elle pèse 9 tonnes. Donc la particularité de cette statue aussi, c'est qu'elle est blanche, toute blanche. Alors je n'ose pas vous dire le nombre de milliers de fois que j'ai dû répondre, mais pourquoi est-ce qu'elle est blanche et qu'elle n'est pas en couleur ? Et si les Schtroumpfs sont bleus, hein ? Ben oui, les Schtroumpfs sont bleus, mais pas la statue. Il y a une bonne raison et ça fera peut-être partie de la suite de l'interview. Merci beaucoup, monsieur Eric Pierre. On revient avec la deuxième partie de cette interview. Merci beaucoup.